bien à l'heure, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être le thème, on ne sait pas. Et comme avant tout bon topo sur ce sujet-là, je casse un tout petit peu quelques mauvaises attentes qui toujours nous guettent quand on parle de ces sujets. Première mauvaise attente, je viens pour me faire engueuler un bon coup, parce qu'en ce moment je me sens un peu faiblot, j'ai besoin qu'on me tape dessus, et comme ça, ça va me faire du bien. Et j'ai peur un petit peu, et je ne sais pas trop, et bon, mais voilà, l'Église continue à avoir ce discours-là. Je sais que c'est bon quand on me le dit de façon dure, et ça va me faire du bien. Ça, bon, c'est pas formidable. Ce qu'on veut plutôt, c'est essayer de toucher avec notre intelligence, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais deuxième peur, qu'on va essayer de ne pas tomber dans l'autre excès, on va faire que des discours un peu fleuris sur la beauté de l'amour, et on va pas tomber dans les vraies questions et les vrais soucis. Donc on va essayer d'éviter ça aussi. Troisième mauvaise attente, qui est la pire qu'on vous redit à chaque fois, qui est pourtant la question qui reste et qui demeure. Mon père, les athomins, jusqu'à où on peut aller jusqu'à ce que ce ne soit pas le péché? Et jusqu'à où, jusqu'à quand, jusqu'à comment? En essayant d'avoir une réponse fixe qui marchera toujours, et en ayant la déception d'avoir une réponse qui vous renvoie parfois, selon les situations, à des cas différents. Et malheureusement, ça pour le coup, on va devoir le faire ce soir. Il n'y aura pas une réponse fixe pour toujours, à tout jamais, que vous pourrez garder tout le temps, mais il y aura des clés qui vous permettent ensuite de discerner dans quel cas concret, qu'est-ce qui est ajusté et qu'est-ce qui n'est pas ajusté. Il y a plein de ressorts qui s'offrent à moi pour essayer de vous persuader que le discours de l'Église sur la sexualité est bon. Il y a la crainte des flammes de l'enfer, c'est une première technique efficace, qui suppose une petite première partie lyrique avec quelque chose d'un peu fort sur le péché, puis ensuite une crainte saisissante, et enfin, paf, une sorte de voie de sortie qui est appliquer la règle, et vous ressortez en disant « ouais, 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 d'accord ». Mais on va peut-être pas faire comme ça. Deuxième, qui est la crainte de rater sa vie, de détruire son affectivité, de s'abîmer, qui est déjà, à mon avis, un peu plus juste, plutôt que de porter le châtiment au niveau forcément spirituel, essayer de voir, bah voilà, si tu fais telle chose, si tu fais tel comportement, tu vas te faire du mal, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dès maintenant. Et ce qu'on veut, c'est pas le mal, c'est le bien. Et je me suis dit, puisque c'est plutôt ces deux ressorts qu'on a d'habitude, pourquoi pas essayer une troisième voie, qui est de se dire, si j'essaye pendant mes fiançailles ou pendant ma vie étudiante, en chemin vers ce qui sera sans doute le mariage, si j'essaye de suivre vraiment bien et avec tout mon cœur ce que me demande l'Église, je me prépare un super mariage. On va essayer de voir à quel point ce discours exigeant et difficile, dans ses aspects les plus concrets qu'on va voir, me prépare un super mariage, une super sexualité dans le mariage, dans ses aspects les plus concrets qu'on va voir aussi. Donc je demande pardon par avance à tous ceux qui n'aiment pas que les prêtres parlent des choses très concrètes de la sexualité. Je vous assure, dès ici-bas, ici-là, pardon, que tout ce que je vais raconter n'est pas uniquement le fruit de l'expérience personnelle, mais s'appuie sur de nombreux ouvrages que je vous recommanderai peut-être à la fin, et s'appuie surtout sur pas mal de discussions avec des couples jeunes et moins jeunes, plutôt les jeunes pour les difficultés des fiançailles, et plutôt moins jeunes pour la beauté de la sexualité dans le mariage. On est parti ? Ouais, formidable. Donc le grand danger à éviter, c'est de vouloir avoir la ligne rouge bien tracée, bien précise, bien droite. On sort avec la ligne rouge ce soir et après on se dit, ben voilà, je sais exactement comment je vais pouvoir négocier avec la ligne rouge. Je vais toujours un peu plus près, et je prends des petits risques, mais j'ai bien la ligne en tête et c'est bon. Et ça justement, c'est pas bon. Si avec ma fiancée, si avec ma petite amie, on a décidé par exemple que tout ce qui était... pas les organes génitaux, c'est bon, et tout ce qui est les organes génitaux, c'est pas bon, je suis à peu près sûr que cette règle-là ne marchera pas. Parce que je ne fais pas attention aux gestes que je pose, même s'ils n'engagent pas mes organes génitaux, je ne pense pas au don que je suis en train de faire à la personne, je ne pense pas à ce que je fais avec mon corps, je ne pense pas à ce que mon corps est en train de produire, je ne pense pas à l'effet que la personne a sur moi, je ne pense pas à l'effet que moi j'ai sur elle, enfin, je ne pense à rien, à part à une règle stricte, fixe, que je n'arriverai du coup pas à tenir, ni moi, ni ma fiancée. Donc il faut vraiment faire attention dans ces domaines-là, ne pas n'avoir aucune règle du tout, évidemment, ça vous voyez autour de vous que c'est peut-être pas le modèle que vous avez envie de suivre. Aucune règle, pas de limite, c'est pas formidable. Mais par contre, un truc qui est que une règle, qui est que extérieure, qui s'impose à moi comme ça, durant ça oui, ça non, j'arriverai jamais
à le suivre. Et je suis un peu frappé, dans l'accompagnement des jeunes, de voir parfois un impératif très fort sur l'union sexuelle qui va jusqu'au bout, mais quelque chose de très light et d'assez, on ne sait pas trop, sur tout ce qu'on pourrait faire d'autre en couple et qui n'est pas directement l'acte réservé aux époux. Très léger sur les différentes choses, bah, je ne sais pas trop, on ne m'a jamais tellement dit. Alors qu'au contraire, il y a une espèce d'impératif fort sur l'acte conjugal procréatif, on va dire, qui est dans ses recommandations les plus tristounettes, mais la fameuse phrase de la maman, bon chic, bon genre, avant la soirée rallye, qui est vraie, hein, c'est vraiment terrible, mais c'est vrai. C'est sans doute pas vos parents, parce que vous êtes des gens en groupe mission, formidable, nanana. Et dans certains milieux, un tout petit peu, on a gardé le côté un peu strict catho, mais on a perdu un peu le sens catho. Ma petite chérie, tu te souviens bien, hein, en haut ou derrière, ça va, mais devant, c'est chasse gardée. Et la petite fille part en soirée, on dit, mais maman, pourquoi tu n'aimes pas ta fille, madame? C'est vachement triste. Et pourtant, ça arrive. Moi, j'ai entendu des parents, des vrais parents concrets, dire, tu sais, mon fils, le mariage, c'est un peu comme recevoir une bicyclette pour Noël avant le 24. Bah, tu ne peux pas vraiment monter dessus, mais tu peux quand même jouer avec la sonnette. Et ça, c'est triste aussi. C'est vraiment très triste de voir des parents qui disent ça comme règle à leurs enfants. Et pourtant, c'est présent. C'est présent, c'est triste hein, comme histoire. C'est présent, et de voir des jeunes à qui on a dit ça, et qui grandissent, et qui sont, voilà, j'ai des valeurs chrétiennes, je sais que pas avant le mariage, mais du coup, on peut jouer à touche-pipi, il n'y a aucun problème. On en rigole, c'est un peu triste, mais il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui, du coup, ont été un peu perdus pour cela. Donc, première chose très concrète, ça évite du coup les petites larmes et les petits pleurs, parce que la règle n'est pas uniquement pour vous, hein, mais c'est peut-être la personne que vous rencontrerez qui aura eu ça comme éducation, qui extérieurement a l'air d'avoir tous les codes un peu comme vous, et qui n'a pas tellement eu de structure. Et donc je trouve un peu triste quand on a quelqu'un qui se dit « Ouais, moi je suis complètement d'accord, avant le mariage, j'ai vraiment envie de rester comme ce que demande l'Église, ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais fellation, pas de problème, cunnilingus, pas de problème, tout ça, pas de problème, c'est pas du tout ce que dit l'Église. Ce que dit l'Église, c'est faire des enfants. L'acte qu'on fait quand on fait des enfants. Si on peut pas faire des enfants, c'est pas grave, il y a aucun problème. » Donc, cassons déjà ce préjugé-là, qui est quand même très dommage, mais maintenant, ça nous donne pas des clés pour comprendre. Et moi, ce que je voudrais ce soir, c'est qu'on ait des clés pour comprendre. Évidemment, c'est quand même bien d'avoir un petit peu une gradation dans sa tête de ce qui est pas top et de ce qui est très grave. Je commence du coup, si vous voulez bien, par deux petits exemples qui traduisent aussi peut-être l'expérience du jeune confesseur que je suis. C'est pas toujours très facile quand on est confesseur de comprendre ce qu'il y a derrière. J'ai péché contre la pureté ou j'ai eu des soucis avec ma fiancée. Et ça peut être bon aussi pour vous de ne pas avoir peur des mots. C'est un peu le grand truc dans une grande technique du diable que de nous enfermer dans la honte et dans la peur. Et plus on a peur des mots qui décrivent ce qu'on a fait, plus finalement on n'arrive pas à affronter le péché et le mal. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Je ne vais pas le nommer parce qu'il me fait tellement peur et j'ai tellement pas envie que sa pensée même vienne dans la conversation que je le mets très 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 loin quelque part. Cas numéro 1, je suis fiancé depuis 6 mois. J'embrasse ma fiancée et il se passe quelque chose. Il y a de la chaleur, il y a de l'excitation. Et là, on se laisse un petit peu entraîner. Et là, ma main part un peu toute seule. Et là, je me rends compte que je suis en train de lui caresser les seins. Bon, je n'avais pas totalement anticipé que j'allais faire ça, mais c'est ce qui se passe. Et là, je sens ma fiancée pas très bien. Elle devient un peu distante. Elle me repousse un tout petit peu. C'est très léger, mais quand même. Et là, je m'arrête, et là, on se regarde, et là, on parle, on discute un peu ce qui vient de se passer, elle me dit un peu ce qu'elle a ressenti, je lui demande pardon, elle me pardonne, et on est d'accord que ce qui vient de se passer n'était pas exactement ce qu'on voulait, mais on en parle longtemps même d'ailleurs, et on se redit ensemble ce qu'on veut vivre ensemble, pourquoi on veut le vivre, qu'est-ce que ça va nous apporter. On reconnaît qu'on vient de s'abîmer un peu, mais on a pu en parler ensemble, on en sort grandi, on en sort même peut-être mieux, enfin plus fort, et plus en communion qu'avant, et on peut avancer. Là, vous voyez bien qu'on a affaire à une chute, mais à une chute qui, dans mon histoire personnelle, va avoir du sens. Elle va participer à ma construction, c'est pas la plus grosse chute de toute ma vie, c'est un petit reprise de virage, qui me permet de mieux ensuite
prendre la grande ligne droite du circuit. Cas numéro 2, beaucoup moins rigolo. Je trouve que le milieu Cato est sympa. Or, moi, j'enchaîne un peu les aventures. Et là, pour le coup, j'ai trouvé quelqu'un avec lequel ou laquelle je vais sans doute me marier. Et ce quelqu'un ou cette quelqu'un, elle, pour le coup, ou lui, a eu des topos, groupes mission un peu comme ça, chiant, là, et vachement moins, bonsoir, et vachement moins ouvert que moi. Mais comme j'ai vachement d'habitude, et je connais bien comment je fonctionne, et je connais bien comment fonctionne le corps de celle ou de celui qui est en face de moi, et bien je sais faire, je vais trouver la soirée qui va bien, le dosage de verre qui va bien, ni trop ni trop peu, je sais exactement les mots que je place, et là, petit à petit, je fais tomber quelqu'un là où il n'a pas envie d'aller, et je lui prends de force la chose la plus précieuse qu'il ou elle avait envie de me donner librement. Et là, évidemment, vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. On ne se prépare pas au mariage quand on a 26 ans. On se prépare au mariage quand on en a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à votre mariage. Tous les actes comptent. Ça peut avoir un petit aspect effrayant. Vous dites, ben voilà, j'ai 20 ans et je me rends compte que je suis déjà foutu, je ne pourrai jamais me marier. Non. Repensez toujours pendant ce topo de ce soir, si vous voulez bien, à Sainte-Marie-Madeleine, quand vous avez une petite inquiétude, qui a vraiment détruit absolument toute possibilité d'aimer dans toute sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, et qui d'un coup, pouf, miracle de l'amour, devient une des saintes, la seule sainte où Jésus vraiment décrit et prend en exemple devant tout le monde à quel point elle peut aimer le Christ. Donc dès que vous avez un tout petit doute de tous mes gestes que j'ai faits, tous mes actes que j'ai faits, ça se trouve me mettre dans une boîte où la sainteté n'est plus une option, vous prenez Marie-Madeleine et vous mettez sa main sur la boîte, bam, et la boîte explose et vous dites ouais, je peux être sainte et je peux être saint. Elle est bien Marie-Madeleine pour ça. Donc je ne serai jamais complètement perdu, mais je porterai quand même toujours quelque chose de mon histoire. Sainte Marie-Madeleine dans la grotte de la Sainte-Baume, où elle pleure ensuite pour les péchés du monde entier, je pense qu'elle porte toujours dans sa chair aussi la trace de la vie qu'elle a eue avant. Et Jésus qui apparaît ressuscité porte dans sa chair les traces du péché du monde. Donc ça restera. Et dans votre vie de marié ou votre vie de consacré, tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez dans les années qui viennent, restera. Il ne faut pas le voir comme une espèce d'épée de Damoclès qui flotte, mais il faut juste le savoir. Qu'on se construit, non pas à 25 ans, en disant, ça y est, maintenant je suis sérieux, je vais me marier, mais que 15, 16, 17, 18, tout ça va me construire. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à peu près tout le monde dans la pièce est déjà un peu abîmé. Ça, c'est assez rassurant de le savoir, qu'il n'y a pas juste moi qui suis cracra, il y a tout le monde sur Terre, depuis Adam et Ève, qui est cracra et qui est touché par les conséquences du péché originel. Je sais, même frère Louis, c'est un des plus gros chocs de mon existence, c'est vrai de penser que même frère Louis porte les conséquences du péché originel, dont la concupiscence charnelle. Frère Louis, oui, oui, même lui, c'est de foi divine et catholique. C'est très fort. Donc j'ai besoin de Dieu et de sa grâce. Ça, c'est vraiment rassurant, hein, de savoir que si je me sens un peu cracra, si j'ai de la peine vraiment à mettre en pratique ce que j'estime être bon, juste et droit dans le domaine de la pureté et de la chasteté, ça n'est pas acceptable, mais ça s'explique par le péché originel, par quelque chose que je porte en ma chair. Et je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de la grâce pour me réajuster et pour m'aligner sur cet idéal auquel je tends. Bien, ça c'était une intro beaucoup trop longue pour un topo beaucoup trop long. Je vous propose deux parties dans ce topo beaucoup trop long. Première partie sera justement de regarder le positif, les choses que je peux mettre en place pendant soit ma jeune vie étudiante, soit mes fiançailles, et qui vont me servir tout mon mariage. Et deuxième partie, peut-être un peu plus conseil concret pour soit fiancé, soit avant, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Moi, ça m'est utile, ça ne va pas devenir gênant, rassurez-vous, de faire un tout petit sondage pour savoir qui en ce moment se considère comme cheminant clairement vers le mariage. Soit que la célébration des fiançailles est déjà faite, soit qu'on est à peu près sûr tous les deux qu'elle va avoir lieu. Yes. Qui, c'est là où ça peut devenir gênant si vous savez, mademoiselle ou monsieur est dans la salle, mais qui... non, c'est comment je la tourner celle-là ?
Bon, on va faire plus simple. Qui n'est pas du tout dans une situation où il pense que là, il sait avec qui il va se marier? Ok. Non, mais c'est compliqué comme question. Si vous êtes à deux comme ça, vous êtes venus les mains dans les mains pour la conférence, qui pense qu'il va pas se marier avec la personne qu'il connaît en ce moment? Hyper chaud. Bien. Donc ça veut dire que nous avons en gros une bonne partie des gens qui n'a pas dans sa vie en ce moment la personne avec laquelle il pense ou lequel il pense se marier, une petite partie des gens qui est à peu près sûre de se marier, et une autre partie des gens que je ne vais pas enquêter plus parce que ça peut devenir un peu gênant, de savoir si vous avez absolument exclu ou non de vous marier. Une des leçons que vous aurez, j'espère, à la fin de ce soir, c'est si je suis en train de sortir avec quelqu'un et je suis à peu près sûr à 100% qu'il n'y a aucune chance que cette personne, ce soit ma femme ou mon mari, eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Du tout. Ça ne veut pas dire que dès que je rencontre quelqu'un, tout de suite, je parle du mariage dès la première fois qu'on prend un café, alors qu'elle voulait juste qu'on partage des exercices de maths ensemble. Et toi, le mariage, qu'est-ce que tu en penses? Un peu comme de... une jeune fille que j'avais connue, elle vient une fois à l'adoration chez des sœurs dont je tairai le nom, et une sœur s'assoit à côté d'elle. As-tu déjà envisagé de donner ta vie à Jésus? Eh bien, elle n'y est jamais retournée. Bien, donc pour regarder le beau côté, je reprends quelques éléments, mais quelques éléments seulement, d'une homélie passée dont peut-être quelqu'un se souvient. Ça se passait dans une église, c'était beau, il y avait un soleil du mois d'août, et il y avait dans la porte une future mariée, mais future tout juste, hein, parce qu'elle était en robe blanche et tout. On était à quelques minutes du mariage. Et on imaginait un mariage un peu spécial, où tout le monde est très 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 ému, parce que tout le monde sait, enfin tout le monde, les gens très proches du couple de fiancés, savent que eux ont vraiment lutté tout le long des fiançailles, parce qu'ils ont voulu, de tout leur cœur, faire confiance à ce que demandait l'Église. Ils ont voulu se réserver l'un pour l'autre, et même, hasard des choses, ils ont jamais connu d'autres gens avant. Ils sont restés, ils ont attendu la personne qui serait leur femme, qui serait leur mari. Ça n'a pas été tout simple, ça a même été assez compliqué. Ils n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, obéi à une règle nazie qui est au-dessus de leur tête et qui va faire des péchés quand on va la transgredir. Ils ont essayé de comprendre le chemin d'amour que l'Église leur propose. Ils l'ont vraiment intégré. Et du coup, comme ils l'ont vraiment intégré, quand mademoiselle s'avance sous le chant de l'orgue, la différence rigolote entre les garçons et les filles, c'est que les filles savent déjà la pièce d'orgue qu'il y aura à ce moment-là, et les garçons, non. Pendant qu'elle s'avance, tout le monde voit à quel point elle est joyeuse de se donner à son mari. Et tout le monde voit à quel point le fiancé est heureux de voir cette femme dans toute sa liberté qui se donne à lui. Tout le monde pleure d'ailleurs, parce que tout le monde est au courant de ce qui est en train de se jouer, et de voir le don total et complet du mystère de la personne qui se donne entièrement. C'est une belle expression de Jean-Paul II, la femme qui est gardienne de son propre mystère. Je la redis parce que ça me fait des petits frissons. Je suis gardienne de mon propre mystère. Et c'est moi qui choisis de laisser pénétrer mon époux dans mon mystère. Et c'est moi qui choisis de transmettre ce mystère à mon époux. Ça marche dans les deux sens, hein. Toujours un petit danger de voir la sexualité comme le mari qui prend et la femme qui se donne. Il y a vraiment les deux, hein. Le mari aussi qui va recevoir le don de sa femme, la femme qui va recevoir le don de son mari. Unir leur corps, c'est unir leur personne. Soit ce don est total dans le mariage, pour toujours, soit ce n'est pas un vrai et réel don. Et ce couple-là a compris ça. Pas comme quelque chose d'interdit, pas bien si tu fais ça, mais comme ça n'a pas de sens. C'est un mensonge que de faire avec mon corps quelque chose qui n'est pas le langage vraiment véritable de mon cœur. Je me donne à toi, je te reçois, je suis fidèle, j'ai confiance, je t'aime. Ce sont des phrases concrètes qui les engagent concrètement, qui les engagent totalement. Et en scrutant leur cœur, ils se rendent compte, en étant honnêtes avec eux-mêmes, que pour dire ces phrases-là vraiment, ils ont besoin de temps. Et que pour exprimer ces phrases-là vraiment, ils ne peuvent pas le faire juste comme ça pour voir, mais ça va les engager complètement. En scrutant mon cœur, je découvre ce grand désir de me donner entièrement et pour toujours à quelqu'un.
Et j'entends cette petite voix qui est beaucoup plus discrète et finalement beaucoup plus forte que la bête règle extérieure, cette voix qui me dit attends. Attends parce que ces gestes-là t'engagent complètement, t'engagent entièrement. Et c'est pour ça que la fiancée s'avance pleine de joie, sans crainte. Elle sait que cet homme ne forcera jamais la porte de son cœur, la porte de son corps. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé, beaucoup, beaucoup parlé de ce don qui est là aujourd'hui. Et leurs larmes à tous les deux traduisent la joie immense de cet instant après tous les efforts qu'ils ont mis en œuvre pendant leur fiançailles. L'apprentissage de la liberté, l'apprentissage du non pour savoir dire un vrai oui, la maîtrise du corps, du désir, l'amitié forte, la communication, la connaissance de l'autre, l'utilisation de la tendresse, autre expression de l'amour que le corps, l'intimité du cœur et de l'esprit. Tous ces éléments-là, on va essayer de voir maintenant un peu concrètement qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur vie de jeunes mariés. Tout ce qu'ils ont dû faire, tout ce qu'ils ont subi comme difficulté, tout le combat qu'ils ont mené, qu'est-ce que ça va leur apporter? C'était dur, hein, mais ça en valait la peine. Petite note pratique, c'est un couple qui m'a rajouté cette petite note pratique. Cher frère, il est vraiment très très bien votre topo, mais on a un tout petit peu l'impression quand même que une fois qu'on a décidé qu'on allait le faire, c'était hyper facile. Et ils m'ont dit, il faut peut-être quand même dire aux gens que c'est vachement pas facile dans certains cas, et que parfois le chemin des fiançailles qu'on veut vivre selon ce que l'Église demande peut apparaître vraiment comme une croix. Mais ils ont rajouté, heureusement, pas de croix sans la résurrection. Et ça, c'est magnifique. Ils sont mariés maintenant, ils sont très heureux. Attention donc à la croix qui peut laisser des marques un peu trop fortes. Ça peut arriver, malheureusement ça arrive, que des couples qui ont voulu tellement bien faire induisent certains blocages dans la sexualité. Et que les premiers mois, les premières années du mariage, enfin, premières années peut-être pas, mais les premiers mois, faut devenir un peu chaud, en particulier pour la jeune fille, qui a tellement mis la sexualité comme quelque chose de il faut attendre, qu'elle devient presque incapable de la mettre en pratique, pas forcément le jour de la nuit en noces, mais dans les jours-là qui viennent. À force d'avoir bloqué son corps et sa psychologie pendant 2 ans, il peut y avoir un certain blocage. Donc important d'accueillir, d'entretenir le désir, de voir la bonté et la beauté du désir. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation-là, votre premier réflexe sera, on n'en parle pas du tout à personne, et on attend et on va gérer. Chérie, tu vas voir, ça va être formidable. Et après 1 mois, 2 mois, c'est pas du tout formidable. Parce que plus on s'enferme dans le fait qu'on va gérer, plus on va être malheureux très vite. Donc il n'y a aucune honte, après 2 semaines, après 2 mois, de parler au prêtre qui nous a accompagnés, d'aller voir un conseiller conjugal. C'est quelque chose qu'il faut faire. Plutôt après 1 mois qu'après 6 mois ou 1 an. Ça a l'air absurde de penser qu'il y a des couples qui n'ont pas couché ensemble après 6 mois, et pourtant, c'est des choses qui arrivent. Donc ça n'est pas normal, du tout. Autant je vais être assez exigeant et pénible sur le fait que c'est pas normal de coucher ensemble avant le mariage, je suis aussi exigeant et pénible sur le fait que ça n'est pas du tout normal de ne pas coucher ensemble après le mariage. Du tout. Regardons donc un peu le concret de la sexualité de ce couple qui avance dans la joie, les larmes, les pleurs, l'émotion, tout ça. D'abord, le plaisir. Le plaisir qui viendra de cette union totale est immense. On ne va pas faire de comparaison absolue entre ce qui enchaîne les aventures et les fiancés. Ouais, l'intensité à tel niveau du plaisir. Mais c'est un plaisir qui va, je pense, dépasser quelque chose, tout simplement une résonance du corps, qui va être un plaisir qui engage toute la personne. Un plaisir qui va aller jusqu'aux profondeurs de l'esprit. Le fiancé, qui n'a jamais eu à poser ces gestes-là avant son mariage, va pas non plus faire semblant, être un tout petit peu maladroit par rapport à celui qui a 15 ou 20 ou 30 ans de mariage derrière lui. Et la fiancée, pareil, il y aura quelque chose d'un peu hésitant, d'un peu mignon. On va se dire, ben voilà, on ne sait pas trop faire. Mais il y aura quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus entier et beaucoup, beaucoup plus vrai. Le professionnel des aventures connaît très bien son corps. Il a peut-être quelques ficelles pour retarder son plaisir à lui, pour faire jouir sa partenaire. Mais il ne sera pas du tout dans cette qualité du don de ceux qui ont voulu et désiré ce moment de tout leur cœur pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant d'ailleurs, puisque j'ai dit qu'on se préparait dès l'âge de ses 15 ans, faites le calcul, pendant 10 ans, il se dit, ben voilà, c'est le moment. C'est le moment encore. Pardon. C'est vraiment ce moment-là
qu'ils ont désiré de tout leur cœur. Et ce soir, là où ils vont s'unir, ce n'est pas une performance. C'est un moment immense d'union et d'amour. Ils ont décidé ça ensemble. Petite note du coup, qu'on vous redira sans doute de votre préparation au mariage concrète. La question de la nuit de noces est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Et malheureusement, il peut arriver que des gens qui n'ont pas beaucoup décidé ensemble voient le fiancé fonctionner en mode garçon d'un coup et se jeter sur son épouse comme la misère sur le pauvre monde le soir de cette nuit de noces. Et ce couple-là dont on parle ne va pas faire comme ça, puisque eux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et lui sait maintenant bien comment sa femme fonctionne. Ils se sont beaucoup observés, sans se donner l'un à l'autre, pendant de longs mois. Et il sait que sa femme, ce jour-là, est dans un état d'émotion, de fatigue, de sorte de saturation totale, qui fait que c'est peut-être pas le moment tout de suite de sauter dessus, mais qu'il va discuter d'abord avec elle, voir comment elle se sent, et que s'ils ont décidé que ce serait le soir de la nuit de noces, ils ont anticipé un peu. Ils n'ont pas fini de danser à 6h du matin, complètement beurrés, à faire « Ouais, maintenant, on va coucher ensemble, ça va être super cool !» Non. Donc, beaucoup de discussions au préalable vont rendre la qualité de cette union possible. Cette nuit ne sera pas parfaite, je vous l'ai dit. Il va falloir du temps pour s'apprivoiser l'un l'autre. C'est un des arguments principaux en face. Dire qu'on est sexuellement incompatible, on se marie, c'est complètement irresponsable. Il faut d'abord avoir essayé pour être sûr. Moi, je n'ai pas du tout de statistiques absolues qui prouvent cela. J'ai au contraire beaucoup de statistiques de gens qui, à force d'avoir essayé, n'arrivent plus à se donner vraiment à quelqu'un. Moi, je suis passé pour un débile profond pendant mes années d'études. Tous mes copains mettaient une pression, parce que je n'étais pas un milieu groupe mission du tout. Hein. Quand on n'a pas de groupe mission et qu'on couche avec personne, on est très très bizarre quand même. Hein. Et donc mes copains, grosse pression, et maintenant mes copains, ils ont 30 ans et ils ne sont pas mariés. Et ils me disent, ah, en fait, t'es rentré dans un truc qui était toute ta vie à 22 ans. Et ben, moi, je me sens un peu con parce que j'en ai 35, j'ai un job, j'ai du pognon, mais c'est tout. Et c'est vachement triste. Et ça, j'en connais des tas, des gens comme ça. Et s'ils écoutent cette conférence, je les aime, hein. Ils peuvent venir à Marseille, on discute et on peut vous présenter des gens formidables. Donc cette nuit-là sera magnifique. Et petit à petit, notre jeune fiancé, un peu hésitant dans ses gestes, deviendra un super, super, super mari. Il sait, lui, que pour une bonne, une belle union, dont il a très envie, et c'est bon, il va commencer, comme dans son début de vie d'homme marié, la préparation vers 18h45, 18h50. Quand il revient du boulot, il va d'abord commencer par bavarder, par demander à sa femme comment était sa journée, par prendre des nouvelles de sa famille, par régler tel ou tel souci qu'il y a eu avec les enfants, coucher les enfants, prier ensemble, décider quelque chose ensemble, dire à sa femme qu'elle est belle, commencer un peu à introduire le truc. Et dans cette entente parfaite, cette belle union des cœurs, qui a commencé à 18h30, va avoir une magnifique et une superbe union, à je ne sais pas quelle heure, ça dépend beaucoup des enfants qui sont pénibles. Et là, il va s'unir à elle dans un maximum de plaisir et de joie spirituelle. Et vous comprenez que si notre mari, notre super mari, peut faire ça, c'est qu'avant d'être un super mari, il a été un super fiancé. Et que tout ce qu'il a fait entre 18h50 et 21h47, il l'a appris pendant ses fiançailles. Il a appris à avoir de la tendresse et avoir de l'amour pour sa femme autrement que par des gestes charnels. Il a dû chercher d'autres moyens pour exprimer sa tendresse. Du coup, il le connaît, ce langage-là. Il a eu 2 ans pour l'apprendre. C'était laborieux, ça a pris son temps, mais il sait maintenant comment réaliser l'union des cœurs. Et s'il n'avait pas appris ça, eh ben, ça pourrait donner des cas qu'on va voir un peu plus loin et qui sont beaucoup plus tristes. S'il ne cherche pas l'union des cœurs, il donnera à sa femme l'impression qu'il ne cherche qu'à assouvir son plaisir personnel, qu'il prend au lieu de donner et de recevoir. Ce sera très difficile pour sa femme d'éprouver du désir et de se sentir aimé dans ce genre de cas. Sans cette délicatesse du cœur, sans cette préparation, il va y avoir cette phrase terrible et qui pourtant existe. Et bien, on y va. Et la femme qui du tout n'est pas du tout dans l'ambiance et doit sortir une phrase, dire quelque chose. Là, je l'ai mis dans un sens, ça marche évidemment dans l'autre sens.
Une femme qui n'a pas pris le temps d'apprendre ce langage de la tendresse et qui rentre chez elle le soir alors que son mari, elle, sort de OM, OL, son mari lui, son mari à elle, son mari à elle de lui, son mari lui de elle, sort avec son t-shirt bleu et blanc, là il s'est pris 3-0, ça va très 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 mal, il va se braquer très fort si sa femme est en mode ouais, sexe. Il n'a pas saisi que lui n'est pas du tout dans l'ambiance et que ce soir-là, il aurait peut-être plutôt fallu parler d'autre chose, le calmer, faire du bricolage, je ne sais pas, mais voir que son mari n'est pas du tout dans l'état émotionnel de ça. Donc, importance de varier les langages. Ça, j'essaie de vous dire que pendant les fiançailles, ce langage-là, l'Église vous le dit, bah, ce n'est pas celui-là qui convient maintenant. Et bah, c'est aussi pour vous aider à en apprendre d'autres. Apprendre d'autres langages de communication, d'union et de tendresse qui sont essentiels pour que le mariage fonctionne. Donc le couple qui fait l'effort de se maîtriser pendant les fiançailles va grandir dans la connaissance, dans la confiance mutuelle et préparer des unions vachement mieux réussies que le couple qui a eu comme seule règle de la sexualité que plus je performe, plus j'enchaîne, plus je deviens bon. Donc de fait, il y aura une certaine technique. Certaines maîtrises du corps, maximum de sensations, tout ce que vous voulez, du côté homme, du côté femme, mais il n'y aura pas du tout de maîtrise dans gérer mon désir par rapport au désir de l'autre. Gérer là où on en est tous les deux, voir si ce soir c'est le bon soir ou non. Pas capable de dire non à la personne en face. Pas capable d'expliquer pourquoi ce soir-là on n'a pas forcément envie de s'unir. Et on peut arriver à des cas où une femme ou un mari se sent violé par la personne qu'elle a épousée 3, 4, 5 ans avant. Et ce cas, on ne veut pas du tout qu'il arrive. Je vous prends deux petits cas concrets, un courant, hélas, mais pas trop trash, et un très trash. Premier cas, qui est le témoignage d'une femme. Quand je dis témoignage, c'est des vrais témoignages, hein. C'est soit des gens que je connais, soit des bouquins, soit des gens que d'autres gens connaissent, de sorte que vous ne pouvez pas du tout trouver qui c'est. Témoignage d'une femme. Mon mari rentre juste après moi du travail. Une grosse journée de boulot, il est nerveux. Il me crie après parce que j'ai oublié quelque chose. Il reprend les enfants un peu durement, parce qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs. Il est pénible. Puis vient le dîner. Monsieur se cale l'estomac. Ça va mieux. Elle me plaît beaucoup, cette dame. Il commence à dire des choses gentilles. Il commence à être aimable. Puis vient le lit conjugal. Monsieur est tout miel. Il m'enlace de ses caresses et enfin me demande l'union sexuelle. Et là, je lui dis, écoute, je peux pas. Je peux pas, moi, parce qu'à ce moment-là, c'est là précisément que je ressens toutes ces paroles difficiles qu'il a eues en rentrant, cette violence qu'il a eue avec les enfants, sans prendre le temps de me demander pardon et de me demander cette union maintenant. Alors je suis toute perturbée parce que mon cœur me dit A et qui demande à mon corps de faire B. Et ça, je ne peux pas le faire. Alors je fais semblant, je dis que je suis malade, je dis que j'ai mal, je dis que je ne me sens pas bien et je suis obligée de mentir à mon mari parce que je ne peux pas m'unir avec lui ce soir-là. Et ça, c'est très triste. Et c'est des choses qui arrivent et c'est très très triste parce qu'on a un couple qui n'a pas su suffisamment travailler d'autres langages de communication que l'union. Et donc son mari, qui peut-être sent qu'il a été un peu dur, bon, il se dit, bon, on va coucher à ça, mais puis ça ira mieux après. Et sa femme, elle fonctionne pas du tout comme ça. Du tout. Deuxième cas, beaucoup plus trash, que vous reconnaissez déjà si vous avez lu ce magnifique livre qui s'appelle Donne-moi des baisers de ta bouche. Qui a lu Donne-moi des baisers de ta bouche? Ok. Bah, du coup, cet exemple a l'avantage d'être nouveau. J'ai rencontré François très jeune. Pour moi, François était un jeune homme très doux, très patient. Il a été mon premier, j'étais sa première. Pour la première fois, une main de garçon dans la mienne, les lèvres d'un garçon sur les miennes, une première union totale et consentie. Faire comme les grands, ça avait du bon, ça faisait vraiment du bien. Notre enfant fut conçu lors de notre première union. À 17 ans, je fus enceinte. Mon premier acte d'adulte fut un avortement. Quelques mois plus tard, nous nous sommes séparés, puis nous nous sommes retrouvés, puis fiancés et enfin mariés. Là, on pourrait se dire, bon, bah, ça repart bien. Les premières originalités ont commencé 6 ou 7 ans après notre mariage. La première fois, il est venu pincer mes tétons avec des pinces à linge.
L'idée que je trouvais malsaine avait un pouvoir de séduction sur moi néanmoins. Je m'étonnais de ce ressenti personnel, ce n'était pas vraiment mon genre et ça me faisait mal. Mais accepter cette solution semblait satisfaire mon mari, cela me donnait un certain pouvoir sur lui et j'aimais cela. Avec mon mari, nous étions passés maîtres dans l'art de la non-communication. Ce qu'il éprouvait, je n'en savais rien. Ce qui le poussait, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'acceptais ses jeux pour lui faire plaisir. Avec le temps, une certaine peur, un certain dégoût commence à m'envahir. J'ai fini par me poser des questions sur moi-même, sur l'amour conjugal vrai. La suite fut une descente aux enfers, l'escalade dans la violence, l'oubli de ma propre personne. Que de ravages allaient en découler. Sexuellement, j'obéissais désormais littéralement aux préceptes de saint Paul. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Cette soumission niait ma liberté, elle détruisait notre couple. J'ai étouffé mon cri, nous avons exprimé par nos corps nos frustrations mal gérées et nos peurs. Et le drame s'arrête uniquement quand cette dame se fait interner en hôpital psychiatrique et qu'elle arrive ensuite à parler à des gens, à faire reconnaître la nullité de son mariage et à se retrouver toute seule, déprimée et misérable. Et là, vous avez des gens qui, à 17 ans, n'étaient pas tout mauvais, hein, mais qui n'ont pas du tout essayé ou qui n'ont pas du tout eu les clés pour essayer de trouver d'autres langages entre eux que la sexualité. Et petit à petit, sans trop savoir pourquoi, elle se laisse entraîner de fait par un garçon qui a un tout petit peu des soucis BDSM dans son petit cœur, mais elle se laisse faire parce qu'elle ne sait pas trop comment parler. Ils n'ont jamais essayé de parler de ces choses-là. C'était le langage pour se dire qu'on s'aimait. C'était ça. Il n'y avait pas autre chose. Alors que notre petit couple du début, qui a beaucoup, beaucoup parlé du désir, de ce qu'ils attendaient de l'union, de ce qu'ils voulaient ressentir l'un et l'autre, qui ont appris à se connaître, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Quand j'envoyais mon topo à un petit couple, j'avais écrit, vous me direz, ils n'avaient que ça à faire, discuter, puisqu'ils ne couchaient pas ensemble. Et le garçon, il a mis un commentaire très gros, c'est très, très vrai. Ils ne couchaient pas ensemble, et donc du coup, ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de temps pour parler et pour envisager comment ça serait. Parler de soi, de l'autre, apprendre à se connaître vraiment, le tempérament, comment on voit la vie, travail, famille, éducation souhaitée, qui est celui qui est en face de moi, quelles sont ses craintes, quelles sont ses blessures. S'il n'y a jamais eu ça, le mariage pourra évidemment jamais marcher. Eux, ils l'ont fait. Ils se sont répétés que la qualité de leur union, c'est ça qui importait le plus. Ils ont eu le temps de la désirer, ils ont eu le temps de saisir les dangers. Il y avait des règles très très claires, notre fiancé, quand il s'est approché de l'hôtel. Il avait compris que jamais il ne voulait jouir sans sa femme. Jamais. Je veux pas. Je pourrais avoir ma petite jouissance à moi et m'endormir, mais non. Ce que je veux, c'est m'unir à ma femme. Et elle qui voit son... Ah non, c'est pas elle qui voit son mari qui s'approche. C'est elle qui s'approche. C'est vachement injuste, ça, quand même. Hein. Pourquoi c'est la femme qui peut s'approcher et tout le monde me regarde? Enfin, bref. Elle s'approche et elle se dit « Je veux vibrer entre les mains de mon mari. Je veux qu'il me désire, je veux qu'il me séduise comme la fiancée du cantique. Je veux éduquer mon désir pour que mon corps exprime ce que dit mon cœur. Je t'aime et je me donne à toi. » Dernier point. Il y a des moments, ça c'est pour le côté mariage, hein. Après j'arrive sur le plus concret de « je ne suis pas encore marié, je galère vachement dans ma vie ». Il y a des moments où, bien que marié, tout ce qu'il faut, je ne pourrais pas coucher avec ma femme. Je parle toujours du mari, bien sûr, pas de ma vie à moi. Grossesse, ou alors grossesse qu'on ne peut pas se permettre d'avoir pour le moment. Est-ce que je vais vivre ces moments uniquement comme une frustration? Je suis marié et pourtant là, on ne peut pas. Ou est-ce que je peux m'appuyer sur toutes ces années des fiançailles où j'ai appris à montrer ma tendresse à ma femme sans l'union conjugale. Ça, c'est particulièrement essentiel quand on arrive à la préparation au mariage sur la petite question méthode Billings et gestion de la fécondité. Important de pouvoir compter sur la capacité qu'on a eue déjà
à exprimer notre tendresse sans l'union conjugale. S'il n'y a jamais eu ça, ce sera hyper galère de se dire, bah, tiens, il y a des périodes où ce sera compliqué de coucher ensemble. Donc, petit bilan, essentiel pour cette première partie, d'avoir pendant les fiançailles ce temps de faire grandir l'amour sans la sexualité. Apprendre à se dire notre amour, apprendre à se donner, à communiquer sur le don l'un à l'autre. De tous les couples que j'ai interrogés pour ce petit topo, c'est toujours le mot de communication qui revient le plus. Plus j'anticipe sur les gestes, moins j'arrive à entrer dans une réelle, profonde et vraie communication. Plus concrètement aussi, apprendre à résister, ce qui est une vraie question aussi pour la contraception. Petit point moral, l'utilisation de la contraception, d'un préservatif ou d'une pilule, n'est pas exactement le même sens avant ou après le mariage. Avant le mariage, il est à peu près clair, enfin pour moi en tout cas, que le gros péché pas beau dans l'union qu'il peut y avoir, c'est le fait que je me donne à quelqu'un alors que je ne suis pas marié, alors que je ne lui ai pas promis d'être avec elle toujours. Là, il y a un mensonge que je fais avec mon corps et l'union n'est pas totale. Le préservatif, la pilule, viendra alors uniquement manifester l'absence du don. Mais le plus gros problème, à mon sens, n'est pas là. J'étais un peu frappé un jour, très loin, dans une autre vie, dans une autre, très, très loin, très très loin, d'un garçon qui avait eu un topo vachement bien, tout, bien les topos, tout, et qui couchait tranquillement avec sa fiancée, et qui dit, mais enfin, mon père, ça va, quoi, tant qu'il n'y a pas de contraception, ça va. Je ne sais pas, il avait pris certains trucs ou pas, mais il n'avait pas tout compris, en tout cas. Très étonnant. Alors qu'après le mariage, et là aussi parfois on est étonné de ce qu'on entend, mais après le mariage, là on a quelque chose de plus grave. Là évidemment la contraception devient le gros truc pas très beau, alors que, puisque je casse justement une union qui est censée être complète, réelle, et manifester le don que j'ai fait le jour de mon mariage. C'est pour cela que l'Église vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire les textes beaux qui existent sur la gestion naturelle des naissances, qui se base sur le cycle de la femme. Et il est important que cette découverte du cycle de la femme, j'ai pu le faire pendant le temps de mes fiançailles. Si ma fiancée est sous pilule tout le long des fiançailles jusqu'au mariage, je vais galérer très 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 fort pour la connaître en tant que femme le jour de mon mariage. Ça va être très compliqué. Je finis avec ma première partie un petit peu théorique, fleur, mariage, théologie. J'en arrive à des choses un tout petit peu plus concrètes. Mais je pense vraiment que ce qui va, enfin je le pense, je crois que c'est vrai, que ce qui vous aidera le plus à concrètement, quand vous êtes fiancé, choisir de faire comme ce que l'Église demande, plus que la crainte de faire un truc pas bien, parce que c'est pas bien, la réputation, ce qu'on va en dire, c'est vraiment de se dire, ben, je tiens à ce que mon mariage ce soit un beau mariage. Et je tiens à ce que ma vie sexuelle avec ma femme, avec mon mari, ce soit une vie sexuelle épanouissante, pleine, complète, totale, qui nous comble totalement. Et je pense que plus vous êtes sérieux dans vos fiançailles, plus votre vie sexuelle de votre vrai mariage sera magnifique, complète, totale. Maintenant, pour ceux qui ont 18 ans, ou pour ceux qui ont personne là avec qui ils vont se marier, il y a d'autres soucis qui ne sont pas exactement tout de suite, bon, est-ce que je couche ou pas avec ma fiancée ? Est-ce que je me mets avec quelqu'un si je sais quand même que je ne vais pas parler mariage tout de suite, mais est-ce que quand même c'est une bonne chose? Et là, je suis assez d'accord avec le bon ami Grosjean quand il dit que ce n'est pas tellement une question de l'âge que j'ai ou une question claire où je peux savoir maintenant oui, maintenant non, mais qui est vraiment une question d'exigence de vérité de mon cœur. À 18 ans, ou à 23 ans, ou à 24 ans, on est peut-être dans la même situation où on a très envie d'être avec telle personne-là parce que, bon, ben voilà, les circonstances vont plutôt bien, elle ne me considère pas absolument repoussant et pas trop mal non plus. Mais je n'ai pas d'abord réfléchi sur est-ce que je suis capable un jour, est-ce que je pourrais dire je t'aime à cette personne et le dire vraiment, est-ce qu'un chemin sera possible, est-ce qu'on est suffisamment d'accord sur ce qu'on veut dans la vie pour penser qu'il y a peut-être un avenir entre nous. Et donc, s'il vous plaît, le truc à retenir, que l'abbé Grosjean dit sans arrêt, ne vous habituez pas à dire « je t'aime » trop facilement, parce que ça n'est pas possible de dire « je t'aime » à 15 personnes dans la même semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Avant d'embrasser quelqu'un,
Voilà une question toute simple que je peux me poser. Est-ce que je peux dire je t'aime en vérité à cette personne-là? Et s'il y a plusieurs personnes dans le même moi à laquelle je dis, ou la réponse à cette question est oui, je viens voir le frère Louis pour lui demander, est-ce que c'est tout à fait normal ça? J'ai l'impression que le frère Antoine dans son topo laissait entendre que non. Et il vous dira peut-être, ouais non mais frère Antoine il est trop comme ça, évidemment que tu peux aimer plein de gens puisque Jésus aussi il aime tout le monde. Je suis amoureux de toi et je t'aime, ce n'est pas pareil. Et si je suis amoureux, je ne suis pas obligé de le dire tout de suite. Même si c'est très sincère. J'ai le temps et la personne en face a le temps. Bien sûr, je ne suis pas non plus obligé d'être absolument certain à 100% d'épouser la personne en face pour commencer peut-être à lui dire comment je m'appelle. C'est un peu le défaut, je trouve, des gens qui ont tellement été touchés par Aimer en vérité ou par tel topo de l'abbé Grosjean ou par tel topo de quelqu'un d'autre et qui du coup tombent amoureux très fort et se disent bon, ben, c'est bon, je me donne, allez, 6 ans pour maintenant je vais vraiment l'observer, je vais voir si ça va bien, si c'est possible, et du coup paf, elle part avec un autre, on se dit mais non, mais j'ai voulu tout bien faire. Et bien, donc c'est une chose que de pas foncer tout de suite, mais c'est une autre chose que peut-être se dire, ben, voilà, maintenant ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois que je regarde cette personne et qu'il y a ce désir qui est là, le côté uniquement corporel, c'est un peu apaisé. Maintenant, vraiment, je vois la qualité de la personne. Il serait peut-être pas absolument idiot quand même d'aller la voir et de moins qu'elle soit au courant qu'il se passe quelque chose dans mon petit cœur. Mais ce quelque chose qui va se passer va pas forcément tout de suite être une relation où on est comme des fiancés. Ça peut déboucher sur autre chose qui est un intermédiaire entre rien et les fiançailles, et qui peut être une première phase d'une belle amitié. Garçon-fille, on sait qu'il y a sans doute quelque chose qui se joue, mais on n'est pas forcément obligé tout de suite de mettre le doigt dessus tous les deux, c'est ah, il faut qu'on gère ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas impossible que ça puisse arriver. Moi j'ai un exemple que je connais bien qui s'appelle papa et maman et qui étaient meilleurs amis du monde quand ils avaient 14 ans. C'est rigolo. Alors s'ils avaient commencé tout de suite à faire des trucs comme ils font dans mon école à côté, il y a 14 ans, je suis pas sûr que moi je serais là aujourd'hui. Mais donc ils se sont connus très bien à 14 ans, ils ont découvert qu'ils étaient les personnes les meilleures du monde, ils se sont mariés à 25 ans. Alors ils ne vont peut-être pas faire leur vie devant tout le monde, mais il ne s'est pas non plus rien passé entre ça peut-être. Il y a eu d'autres gens intéressants, d'autres femmes jolies, mais quand même il y avait cette femme-là que j'ai connue à 14 ans qui est géniale, ce homme-là que j'ai connu à 14 ans qui est formidable, et finalement, boum, c'est lui qui a fini par gagner, ou elle, je ne sais pas qui a gagné dans l'affaire. C'est sans doute leurs enfants qui ont gagné. Oh, merci papa, merci maman. Donc, l'amitié qui est la base du mariage est importante. Dire je t'aime à quelqu'un, c'est vraiment exigeant. Et on n'embrasse pas quelqu'un quand on n'est pas capable de se donner, de construire quelque chose pour toute sa vie, pour toujours. On lui dit, vache, qu'est-ce qu'il est exigeant le frère, on est en 2022. Quand on embrasse quelqu'un, ça ne veut pas du tout dire ça, vous n'avez rien compris. Et pourtant, je pense que c'est vrai. C'est beaucoup plus simple pour moi de dire oui, non, mais évidemment, on ne peut plus dire aujourd'hui les mêmes choses qu'on disait il y a 35 ans, mais je reste persuadé qu'embrasser quelqu'un vraiment, ça n'est pas juste un langage de l'amour comme oui, je t'aime un peu plus que les filles à qui je fais une bise, mais ce n'est pas non plus totalement quoi que ce soit qui est en lien avec un désir profond de construire quelque chose avec toi. Là, on fait juste des bisous, mais il n'y a pas du tout de désir qu'on aille plus loin dans un projet de vie en commun. À partir du moment où on entre dans une intimité du corps, ben je pense qu'on assume que notre corps est en train de dire quelque chose d'une intimité en commun, d'un projet de vie ensemble. Encore une fois, on n'a peut-être pas tout de suite verbalisé avec une date et la couleur des centres de table, mais on a quand même posé un acte qui dit quelque chose d'une vie à deux et d'un don d'une personne à deux. Évidemment, tel geste n'a pas le même sens ou pas la même portée si on se connaît depuis 3 jours ou si on se marie dans 1 mois. Alors qu'aux yeux du sacrement, c'est tout à fait pareil. Hein. Entre 3 jours après qu'on soit rencontré et 1 mois avant qu'on se marie, on n'est pas plus marié une fois qu'avant. Il n'y a pas un côté progressif, dégradé du mariage, boum, avec du coup on coche des cases, ah oui, là on peut faire ci, là on peut faire ça. Mais c'est plutôt la qualité de notre union. Et le don progressif qui va s'opérer, qui va quand même dire que tel geste après 3 jours, c'est tôt, tel geste après 2 ans, ça correspond à peu près à ce chemin qu'on est en train de faire ensemble. Donc certains gestes seront appropriés
dans la semaine des fiançailles qui précèdent le mariage. Elles ne le seront pas du tout à la fin de la semaine des JMJ à Lisbonne avec les Dominicains. Cette conférence contient du placement de produits et vous aurez tous réservé la date du 24 juillet au 8 août 2023. S'il faut absolument une ligne rouge, je fais une ligne rouge. J'en fais pas beaucoup, profitez-en. Il me paraît assez évident, c'est ce que j'essayais de supputer au début du topo, que ce qui concerne mes organes génitaux vont concerner des actes qui sont réservés aux époux. Delphine et autres, c'est le moment où on écoute. Ces organes sont le lieu du don du mari à sa femme et de la femme à son mari. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de Delphine et autres sur Marseille, donc les gens qui écoutent ça, ils se disent « La vache, ils n'écoutaient pas au moment où ils parlent des organes génitaux. » Il suffit de regarder ces organes pour voir pourquoi ils sont faits. C'est ça aussi la théologie du corps, hein. C'est un truc très concret, la théologie du corps. Je regarde ma main et je vois que ma main, elle peut donner, elle peut prendre, elle peut taper, elle peut caresser. Bon, ben je regarde mes organes génitaux et je vois ce pourquoi ils sont faits. Et je vois ce pourquoi ils ne sont pas vraiment faits et pourquoi je pourrais l'utiliser pour faire autre chose. Et c'est important ça, de voir concrètement que mon corps, je l'utilise pour ce pourquoi Dieu l'a fait. L'homme s'attache à sa femme et il ne forme qu'une seule chair. L'Église n'est pas là pour venir fouiner dans quel enchaînement de gestes font les époux quand ils s'unissent l'un avec l'autre, mais l'Église est là pour venir un tout petit peu fouiner quand des gens qui ne sont pas mariés du tout utilisent ce qui est fait et réservé aux époux pour faire d'autres trucs, qui se disent « bon ben voilà, c'est pas exactement l'acte du mariage, donc ça passe ». Mais autant pour les époux, je ne vais pas venir les embêter de savoir exactement ce qui se passe, autant pour les fiancés, je pense que là vous avez une ligne assez stricte, que c'est pas du tout malin de se dire que tant qu'on n'est pas exactement dans ce qu'on fera quand on est marié, mais nos organes génitaux peuvent faire d'autres choses beaucoup plus discrètes et qui passeront quand même, et ça va pas nous faire tomber dans quoi que ce soit, tout va bien. Là vraiment, mettez là cette ligne là, je pense qu'elle est très raisonnable et concrète, elle est inscrite vraiment dans la nature. Mais avant même ces organes là ceux qui sont fiancés savent qu'il y a quand même aussi d'autres gestes où on se dit bah ça c'est bon, ça passe, ça nous engage pas trop, et pourtant après on se dit mais quand même, est-ce que j'étais vraiment dans le don, est-ce que j'étais vraiment dans la gratuité, est-ce que là on était vraiment libre l'un avec l'autre. Et un couple que j'ai préparé il y a pas très longtemps avait trouvé dans un bouquin l'expression de geste efficace. Ils ont beaucoup aimé ça, alors je vous la transmets parce qu'apparemment ça a bien marché. De même que dans un sacrement qu'on appelle un signe efficace, j'ai quelque chose qui m'est dit, et j'ai quelque chose qui est réalisé. Quand je baptise, j'ai de l'eau qui me dit que je suis lavé du péché, et j'ai quelque chose d'effectif qui est réalisé. Je suis de fait lavé du péché originel, je rejoins l'Église, De même, quand je pose un geste avec ma femme, j'ai quelque chose qui est dit dans le signe que c'est, et j'ai quelque chose qui est réalisé. Et eux, comme fiancés, ils se disaient, ben voilà, dans nos gestes qu'on pose, on voit bien parfois que c'est pas très clair ce que ça dit sur notre rapport, où on en est par rapport au mariage. Par contre, on voit ce que ça fait. Et quand on voit ce que ça fait, on arrive à en parler ensemble et à se dire que bon bah c'était pas top ce geste là. Je me rends compte que dans tel contexte, tel niveau de fatigue, telle heure de la nuit, rouler une énorme pelle à ma fiancée me met dans une situation d'excitation très intense où c'est très dur à gérer. Eh ben, nous décidons ensemble que ce geste-là, à cette heure-là, dans ces circonstances-là, n'est pas efficace du tout, parce qu'il produit dans notre corps quelque chose qui nous met dans l'embarras. Et donc, on va décider ensemble de ne pas le poser ou de le poser différemment. Efficacité des gestes qu'on pose. Nous, on a envie de poser des gestes qui sont bons pour nous et pour le projet qu'on a décidé ensemble. Ça paraît tout bête, mais ça a été pour eux une sorte de truc d'illumination, d'avoir un certain pouvoir de décider ensemble quel geste ils voulaient poser, quel geste ils voulaient pas poser. Et quand les fiancés ont moins ce coup de génie de réfléchir sur les gestes efficaces, c'est pour deux raisons à mon avis. Première raison, par une mauvaise connaissance de soi et du fonctionnement de son corps. Ou deuxième raison, par une certaine imprudence. Alors je commence par la mauvaise connaissance de son corps, c'est le deuxième moment
Aude, et pardon, où je vais être un tout petit peu cash, mais si ça peut éviter pour une personne dans la pièce le gros échec et la crise de larmes au confessionnal, on va y aller quand même. Pour le garçon, la montée du désir se manifeste d'une façon assez concrète par une érection. Chez la fille, c'est curieusement moins conscient et moins su, qu'il y a des signes plus discrets, que toutes les femmes d'ailleurs ne perçoivent pas aussi facilement. Comme le durcissement des seins, la lubrification, l'ouverture du vagin. Une jeune fille n'a pas forcément eu par sa maman le petit topo qui fait que quand ce genre de choses arrive, elle n'est peut-être pas aussi libre de ce qu'elle est en train de faire. Elle aura plus de peine à gérer la suite des événements que 10 ou 15 minutes avant. Côté garçon, même si son papa n'est pas venu lui expliquer, il y a un côté un peu binaire. Assez facile à repérer. Ça ne veut pas dire que le garçon ne va pas craquer, mais au moins il ne fait pas semblant de ne pas avoir repéré les signes avant-coureurs. Il les connaît bien, depuis très longtemps d'ailleurs, et il ne va pas dire que. Il va souvent se mentir un peu à lui-même, dire qu'il n'a pas géré, qu'il n'avait pas vu, qu'il n'était pas conscient, mais au fond il sait quand même très bien que son corps lui avait dit à peu près très 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 fort que c'était le moment où il était très excité. Et il sent cette parole de saint Paul agir totalement à l'inverse. L'esprit est faible et la chair est ardente. Et les filles ont plus de peine pour mettre les mots et pour dire, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais les couples que j'ai interrogés me disent la même chose, que les soucis viennent souvent d'une petite manque de connaissances pour les filles de leur propre corps. Donc d'une part de ces signes-là de l'excitation, mais deuxième chose du côté cyclique, là pour le coup très injuste. Le garçon qui lui est vigilant des signes de son corps, il est vigilant à peu près tous les jours pareil. Il n'est pas plus excité mardi que mercredi. Il y a un truc constant, total, pénible tout le temps. C'est pratique, au moins c'est sûr. Alors que la jeune fille va avoir le cycle de ses hormones qui lui joue un peu des tours. Et qu'en phase préovulatoire et qu'à l'ovulation, son cycle la met dans des états qu'elle n'avait pas forcément anticipés. Et quand il y a souci, parfois, c'est qu'une fille se rend compte que, bah, dis donc, d'un coup, j'ai eu très, 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 très envie de coucher avec mon fiancé. Dis, bah, comme un prêtre, souvent, c'est un garçon. Dis, ben bah, oui, pourquoi, c'est pas normal, ça? Eh bah, ben non, parce qu'elle, c'est beaucoup plus cyclique. Et il y a d'un coup un pic d'hormones, où là, elle est en mode, comme 10 garçons dans une boîte qu'on a secouée comme ça. Et bah, pour le garçon, c'est à peu près constant toujours. Pour la fille, elle peut beaucoup plus se laisser surprendre. Deuxième point. Ça, c'est pour les garçons. Contrairement aux hommes, votre futur fiancé ou fiancée actuelle a beaucoup plus de zones érogènes que vous. Et certaines zones de contact, certains gestes qui vous paraissent un peu anodins, peuvent avoir un effet énorme sur une jeune fille. Troisième point, j'espère que celui-là, vous le connaissez déjà. Et si vous ne le connaissez pas, ce sera la découverte la plus importante de votre vie. Aude, on lève la tête. On peut faire une métaphore dans la gestion du désir, deux métaphores même, où le désir du garçon, on le compare parfois à un vélo, quand vous commencez à pédaler, boum, ça départ, ça démarre vite. Et quand vous freinez, boum, ça s'arrête vite. Alors que le désir de la jeune fille est plus proche d'un 33 tonnes en pente sur l'autoroute. Une fois qu'elle s'est lancée, c'est dur à arrêter. D'accord? Ça marche. Quand on est marié, c'est plus la question du démarrage qui va nous importer. Quand on est fiancé, ça va peut-être la question du freinage qui va nous retenir. Parce qu'on a posé un geste, on est allé un peu loin. Souvenez-vous du premier exemple du topo. Le garçon se dit, ah merde, stop. Là, lui, ça lui prend à peu près 15 secondes. C'est bon, on peut gérer. Elle, non, du tout. Elle n'est pas dans le même état, elle n'a pas le même niveau, elle n'a pas le même timing. Et c'est important de prendre ça en compte. On trouve aussi l'image parfois du four et du but à gaz. Vous aurez compris qui est qui. Donc le four, on le met sur 180, ça prend son temps. Une fois que c'est chaud, c'est chaud. Le but à gaz, on l'allume, on l'éteint. C'est chaud, c'est froid. D'accord? Et important donc de prendre vraiment en compte ces différences de rythme dans les fiançailles. Ça vous aide à prendre en compte ces différences de rythme quand vous êtes marié. Je reviens à mon petit couple de tout à l'heure. Inclusion dans le passé, mise en abîme. Notre petit couple de tout à l'heure a une vie sexuelle épanouie, ils sont très très heureux. Et le mari s'est rendu compte petit à petit, et en plus parce qu'on lui avait dit pendant un topo une fois au groupe mission quand il était petit, que après s'être nié à sa femme, lui il a un côté butagaz. Ah, terminé.
tout va bien, il est très content, il est très épanoui. Nanana. Sa femme, elle, elle n'est pas du tout aussi rapide que lui. La femme, après le plaisir de l'union charnelle, elle va voir son émotion, l'attention à son mari, très 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 haute, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Et elle reste complètement habitée par ce qui vient de se passer. Et le fiancé, qui a bien compris pendant sa préparation la différence de rythme entre lui et sa femme, devient le bon mari qui reste auprès de sa femme, qui lui dit qu'elle est belle, qui lui dit qu'il l'aime, qui lui dit qu'il a beaucoup aimé son Israël, qui lui dit des choses, pas ce que vous voulez. Il n'est pas le mari qui se dit, bah on s'est fait ça, allez, bah, je vais regarder le téléfoot ou réparer le lit superposé des enfants qui fait du bruit. Et là, la femme est là toute seule. Nanana. Et lui, il fait autre chose. Nanana. Et la crise absolue, très triste. Donc important d'avoir repéré les différences de rythme que vous avez avec votre fiancé, avec votre fiancée. Mesdemoiselles, il est normal de ressentir du désir. Messieurs aussi. Si un garçon vous prend dans ses bras et vous embrasse, il y a quelque chose qui fait pouf et c'est pas mauvais. C'est pas un péché, ça, le pouf. Ce qui est peut devenir un péché, c'est ce que je vais faire avec le pouf. Donc, quelle est la prudence que je mets en place? Quel geste je vais poser avec mon fiancé? Là, vous avez des tas de bouquins qui peuvent vous aider, mais vraiment importance de cette connaissance de soi. Le garçon est à peu près naturellement pouf depuis sa jeunesse. La fille, elle peut avoir un pouf beaucoup moins prévu. Je ne dis pas du tout que c'est la faute des filles quand il se passe quelque chose, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est pas rare quand même qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas su gérer parce que c'était le mauvais jour sur le cycle de la jeune fille. Ce qui ne veut pas dire que c'est sa faute, hein. On est bien d'accord avec ça. C'est pas la faute de quelqu'un ou d'autre quelqu'un, mais que quand on pensait qu'on gérait super bien nos gestes et que d'un coup il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a eu peut-être ce quelque chose en plus qui est hormonal et qui est là parce que la nature a fait qu'il y a des moments où les deux ont très envie, et d'autres moments où il y en a surtout un qui a très envie. Suivez mon regard. Ça, c'était donc la connaissance de soi. Deuxième point, c'était l'imprudence. Là encore, je ne suis pas là pour vous taper dessus, mais je trouve dommage que quand des couples de fiancés super sur tout point, qui avaient tout choisi de faire bien, ont mis dans leur super schéma le truc pourri qu'on pouvait voir mis à 1 000 lieues à l'avance, qui fait que ça n'a pas bien marché. Donc l'imprudence, ça va te se mettre dans une situation impossible. Toute confession larmoyante de fiancé commence par une situation qu'on a choisie librement, en toute connaissance de cause, et qui était pourrie. Et qui ne pouvait presque que mal se passer. Parfois ça se passe bien, mais qui pouvait presque que mal se passer. Si vous avez un tout petit peu, une fois dans votre vie, lutté dans le domaine de la chasteté, pornographie, tout ce que vous voulez, vous savez bien qu'il y a une chose qui est l'acte en lui-même, et il y a une chose qui est les différents signes avant-coureurs de j'ai ouvert mon ordi à telle heure, j'ai décidé d'être tout seul à tel endroit, j'ai pas respecté les règles que moi je m'étais moi-même faites pour ta 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 ta. Bon, ça marchera pareil pour les fiancés. C'est pas tant. On a couché ensemble, on regrette, mais c'est on est parti en week-end au chalet de la cousine et on a passé à peu près 10 heures par jour à discuter tard, couché sur un lit. Bon, ben ça, c'était pas prudent, c'était bête. Il aurait mieux fallu partir en week-end avec des copains pas trop loin et d'être pas tout seul dans le chalet. C'était évident, ben oui, effectivement, c'était évident. Mais une fois qu'on se rend compte que c'était évident, c'est un peu trop tard. C'est un peu dommage. Et c'est pas à moi, je pense, frère dominicain, d'expliquer à un jeune homme qui s'étonne, après s'être allongé à côté d'une jeune fille, qu'il se soit passé des choses. Alors qu'il dit, mais là, ma femme, mon père, elle avait un t-shirt très long. Et je dis, mais enfin, mais mon grand, elle n'avait que un t-shirt très long. Et, ah bah oui, c'est vrai, peut-être. C'est un peu triste. Vous connaissez le père Crapley? Oui, le père Crapley. Par rappeler qu'il y a un couple de fiancés qui préparent et qui partent en rando. Ouais, mon père, on part en rando, c'est génial. Et le couple, vachement bonne volonté, super bien, on fait comme vous, on fait de la montagne, c'est génial. Et là, il regarde, c'est bien, ça faisait qu'une tente. Ah ben oui, j'ai voulu pas prendre un seul sac de couchage, parce que finalement, c'est aussi con. Et là, boum! Alors, je sais pas s'ils ont acheté une autre tente, mais j'ai trouvé ça rigolo, cette réaction. De voir qu'au moins, voilà, si on fait une imprudence qui paraît imprudente de loin, bah autant montrer et voir que c'est pas très malin de se dire que on s'aime très 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 fort, on a des corps qui fonctionnent normalement, avoir une tente de trucs de rando de montagne très 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 étroite, on va passer tout un week-end ensemble, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est un peu bêta. Alors certes, il y aura plein d'arguments pratiques, c'est vachement lourd une deuxième tente, mon père, vous vous rendez pas compte?
Vraiment. Ou alors, ouais, c'est vachement cher d'avoir deux appartements dans la même ville pendant les fiançailles. C'est quand même vachement plus malin d'essayer de anticiper un peu sur le mariage et de se dire qu'on peut habiter ensemble sans qu'il se passe quelque chose. On est quand même maître de nous-mêmes. Non. Le jeu en vaut la chandelle, Armina. Et il y a, je pense, une vraie exigence à avoir pour soi-même. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis fiancé ou je suis dans une relation qui peut déboucher sur des fiançailles. Je retiens quelques clés importantes. 1. Communication sur le sujet. Communiquer, communiquer et toujours communiquer. Je ne sais pas comment ça se passe dans la vie de frère Louis, mais moi, tous les problèmes de couple que je croise, il y a toujours le problème. Ah oui, on n'a pas suffisamment parlé de la chose, on n'a pas suffisamment discuté, on n'a pas suffisamment communiqué. L'humour important, d'un autre couple de fiancés qui m'a dit ça, pour éviter les moments de chute ou en parler ou les anticiper, pas uniquement être dans la crainte du truc, mais se faire des petites blagues sur un petit peu con ce qu'on est en train de faire là. La prière, offrir ses souffrances et cette attente dans les moments plus difficiles. Un autre couple qui disait qu'il priait beaucoup pour les couples qui vont pas bien, pour les prêtres, pour les séminaristes. Et ils sont rentrés alors que c'est quand même pas quelque chose qu'on prêche beaucoup, la spiritualité de la réparation, Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie, tout ça, péchu, je souffre et j'offre mes souffrances à Jésus pour sauver le monde. Et ben eux, ils ont découvert dans leur fiançailles ça, un chemin de fiançailles pas facile. Et ben ils se sont dit, bon, on va sauver le monde, hein, tant qu'à faire. Et donc ils ont offert toute leur lutte pour tous les couples qui n'allaient pas bien, pour tous les enfants qui n'allaient pas bien. Et ça les a vachement portés de vie. De vivre ça avec Jésus et de s'unir à Jésus dans ce qui était difficile. Partager avec d'autres couples qui vivent un peu la même chose, se partager un peu des clés que le frère Antoine n'a pas oubliées ce soir, et de dire, bah tiens, il y a peut-être d'autres choses à récupérer dans d'autres couples qui, comme moi, galèrent un peu, et témoigner. Ça, c'est comme pour grandir dans la foi, il faut la partager. Bah, de même, pour grandir dans la chasteté, on peut se dire, bah voilà, par rapport à d'autres couples, moi, je vais essayer de témoigner de ce qu'on essaye de vivre tous les deux. Et en témoignant, ça va m'affermir moi-même, ça va m'aider à trouver de la force dans ce qu'on est en train de faire. Si vous n'êtes pas du tout concerné par cette question et que ces clés ne vous servent absolument à rien, mettez-les peut-être dans votre poche et gardez-les pour dans 5 ans. Et aujourd'hui, quand vous voulez juste être en couple comme tout le monde, eh ben le faites pas trop vite. Mais vivez peut-être plutôt ce moment d'amitié et restez-en à l'amitié si vous n'êtes pas encore prêt pour plus. Ça permet de connaître les autres, de leur laisser leur liberté, sans les forcer à se décider tout de suite et en gardant votre liberté à vous. Le sentiment amoureux qui est là, peut-être, c'est très bien. Il peut être ainsi purifié, il peut être rendu plus généreux et plus offert. Ça paraît un peu exigeant, pénible et pas drôle, mais en même temps, je me dis, si c'est pas vous, le gens du groupe Mission, qui le faites, qui va le faire dans le monde? Si c'est pas vous qui décidez vraiment d'essayer de mettre votre vie en cohérence avec ce que dit votre cœur, si vous le faites pas dans vos groupes d'amis, si vous le faites pas dans les rallyes, si vous le faites pas au scout, qui va le faire à votre place? Je suis un tout petit peu misérabiliste, hein, mais j'ai eu hier matin une jeune fille formidable qui m'a dit que j'avais le droit de dire cette histoire, non, ça va, qui a arrêté les guides parce qu'elle se disait que le week-end, il y avait peut-être d'autres trucs mieux à faire que de se retrouver avec de la vodka dans les gourdes à se raconter nos chopes. Je cite. J'ai trouvé ça vachement triste quand même que ce soit ça, les guides pour cette jeune fille. Je ne sais pas qui c'était. Ami chef, débrouillez-vous pour trouver. ne vous inquiétez pas, c'était pas Marseille. Mais c'est quand même vachement triste que ces lieux où on est censé être porté et accompagné, même là, peuvent devenir des lieux de chute. Trois moyens que vous donne l'Église. Frère Louis, promis, on arrive presque au bout là. Premier moyen, la prière. Si je veux respecter ce que Dieu me demande, il faut pour moi que Dieu soit quelqu'un. Ça, cette phrase-là, moi, je la trouve super bien. Vous pouvez la noter. Si je veux respecter ce que Dieu me demande, il faut que Dieu, pour moi, ce soit quelqu'un. C'est impossible d'obéir à quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, tant que Dieu est un concept, une valeur, quelque chose hérité des parents, quelque chose qui tient la société et fait qu'on peut résister à la dépossession. Ah, pardon. Tant que Dieu n'est pas un quelqu'un qui est là et et que je veux aimer, qui me parle, à qui je parle, je ne pourrai rien faire de ma vie, je ne pourrai pas respecter ce qu'il me demande si ce n'est pas quelqu'un. Ça paraît tout bête, mais c'est important. Et donc la prière, le moment où je vais parler à Dieu, lui demander son aide, lui demander ce qu'il veut pour ma vie, c'est important.
Deuxième chose que vous donne l'Église, les sacrements. J'ai besoin de force, j'ai besoin de communier régulièrement pour unir mon corps à celui qui m'apprend à donner son corps. Ceci est mon corps livré pour toi. C'est la plus belle parole que Jésus ait dite aux hommes. Mais si je veux vraiment apprendre à donner mon corps à quelqu'un, j'ai besoin de Jésus, Eucharistie. Confession, c'est pas une honte hein, de se confesser plus qu'une fois par an, ou même plus qu'une fois par mois. J'ai découvert récemment, par exemple, que même le frère Louis se confesse plus qu'une fois par mois. C'était un gros choc dans mon existence. Mais si, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences de confession. Je vous demande pardon au nom de la Sainte Église pour ça, si c'est le cas. Mais en principe, on est très chiant, les curés, hein, en topo et en truc, et on est quand même très sympa en confession. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir avec ces trucs cracra en confession. Ce n'est pas du tout le lieu où on va venir creuser, vous emmerder et mettre du sel là où ça pique. C'est le lieu où quelqu'un qui se sent misérable et plein de boue va transformer sa boue en bonne terre pour que pousse la parole. Donc, quand vous vous sentez misérable, par pitié, plutôt que de faire des trucs qui vous rendent encore plus misérable, allez vous confesser, c'est tellement plus sympa comme idée. Troisième chose que vous donne l'Église, c'était prière, sacrement et père spie ou accompagnatrice ou quelqu'un qui vous aide un peu à choisir les bons chemins, à vous donner des critères objectifs. Le père spie, c'est pas quelqu'un qu'on va décevoir, c'est quelqu'un qui va nous motiver. C'est important de voir ça comme ça. Si le moment du perspice c'est le moment où je me sens pas bien parce que j'ai encore lousé, c'est nul. Si le moment du perspice c'est le moment où tiens, bah, je vais peut-être avoir encore un truc nouveau pour m'aider à avancer malgré ma nullité absolue et mon manque de progrès dans ma vie, et bah, pourtant il y a quelqu'un qui continue à essayer de poser sur moi le regard de Dieu qui veut toujours le meilleur pour moi. Je termine sur une histoire. Celle-là c'est vraiment la dernière, frère Louis, parce que là je vois que le timing on est vraiment pas bien. Mais la dernière histoire, moi je suis trop petit et elle m'est encore jamais arrivée, donc j'ai dû la piquer à l'abbé Grosjean. Je suis complètement jaloux parce qu'en plus c'est dans une conférence où lui il est que diacre et il avait déjà cette super histoire. Si vous la connaissez déjà, c'est pas grave. Si quelqu'un pouvait s'arranger pour que cette histoire soit vraie dans ma vie aussi, vous allez voir, c'est possible. Il faut juste un garçon et une fille. Donc essayez peut-être de vous arranger. Ça je pourrais dire, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Bon. Un garçon que je connaissais bien, donc là c'est l'abbé Grosjean qui parle, c'est pas moi. Jaloux. Un garçon que je connaissais bien avait ce désir de vivre un truc bien, d'être un garçon droit, avec un bel idéal. Il me téléphone un dimanche matin, il me dit « Vous savez, j'ai fait une connerie hier soir. » À une soirée, je suis sorti avec une fille au bout d'une heure, c'était nul. Je me rends compte que c'était nul, c'était lamentable. Je trouve ça dommage. Il va se confesser. Et il dit « Je veux la revoir, il faut qu'on en parle en vérité parce que je ne veux pas la laisser comme ça. » Je veux arrêter tout de suite le truc. Je veux pas qu'elle s'imagine que ça peut continuer comme ça. J'ai été nul et je veux réparer ça. Or, dit l'abbé Grosjean, la fille en question, il la connaît. Parce que c'est Versailles, que c'est un petit milieu, et tout ça, et tout ça. Et c'est une fille qui n'a pas du tout le même idéal, qui n'a pas eu les topos du groupe Mission. C'est le milieu parisien, un peu facile, et elle a une vie plutôt légère. C'est pas honte absolue, mais c'est plutôt léger. Et la même fille, du coup, qui connaît, va voir l'abbé Grosjean et lui dit « Vous savez, le garçon, tel garçon, il est venu me voir et il m'a demandé pardon. Moi, j'ai 17 ans, lui, il a 20 ans, il m'a demandé pardon de ne pas m'avoir respecté. Il m'a demandé pardon d'avoir posé des gestes avec moi qui n'étaient pas vrais et de l'avoir fait simplement par désir physique et par désir d'affection. Et vous savez, monsieur l'abbé, c'est toujours lui, hein, c'est pas moi. Vous savez, monsieur l'abbé, jusqu'à présent, les flirts, je les enchaînais les uns après les autres. » C'est la fille mignonne, hein, d'après l'abbé Grosjean, qui a tout ce qu'il faut, où il faut, enfin vraiment, Dieu, pas de problème, elle a vraiment tout ce qu'elle veut. Hein. Les flirts, je les enchaînais les uns après les autres, j'avais une liste déjà longue derrière moi, que des gars bien, hein, Cato, bien. Mais jamais, 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 je n'ai rencontré un garçon qui m'ait respecté à ce point-là. Il m'a demandé pardon de m'avoir entraîné dans une relation qui est fausse, il m'a fait promettre de ne plus jamais me laisser embrasser aussi facilement. Mon père. Je ne veux plus vivre désormais ce que j'ai vécu avant. Je ne peux plus me contenter de relations à deux balles, maintenant que je sais que ça existe, des garçons qui sont capables de ça. Et j'aimerais beaucoup que mon mari, un jour, puisse ressembler à ce gars-là. Et je veux le mériter maintenant, et je veux être à la hauteur de ça. Amen.